cigare dans le ciel du Calvados en 2020. Attaque d'une créature en pleine nuit, boule orange à Nanterre, orbe sortant de la bouche d'un enfant, observation d'OVNI à deux reprises et communication entre un chat et une orbe. C'est le sommaire de cette nouvelle Libre Antenne BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Bélanca. Appelez maintenant la Libre Antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. C'est la dernière Libre Antenne de la saison. L'occasion vous est encore une fois donnée de témoigner de vos expériences qui vous ont mené aux frontières du mystère et de l'inexpliqué. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr, sans omettre bien sûr de laisser vos coordonnées afin que l'on puisse vous appelez si jamais on répond pas. Avec moi, il est de retour après quelques jours d'absence et de concert. C'est Jocelyn F. Keller. Salut Jocelyn. Salut Bob. Ravi de t'accueillir. Pour ceux qui te découvrent peut-être, sachez que l'homme est auteur. L'homme sort des zones paranormales et surtout nous offre sur BTLV des dossiers inexpliqués extraordinaires. On aura un extrait justement de son dernier dossier, Les fantômes de Washington, dans cette émission. Réseaux sociaux ce soir, c'est Valentin Récan. Salut Valentin. Salut Bob. Ça va bien? Ouais, très très bien. Bon, magnifique. Hein. Dernière Libre Antenne. C'est la dernière, et puis il y aura aussi mercredi prochain qui sera la dernière, le dernier live. Voilà, de Bob vous dit toute la vérité, voilà. Ce sera sur BTLV. Alors comme je le fais chaque fin de saison, je serai face à vous afin de répondre à toutes vos questions sur cette chaîne que vous aimez tant. Quelles que soient vos questions, j'y répondrai, et sur tous les domaines bien sûr. Alors vous pouvez dès maintenant les poser sur Twitter, hashtag FAQBTLV, ou alors via les réseaux sociaux. Le programme du mois de juillet, si vous avez bien sûr suivi l'affaire, est plutôt pas mal. Regardez ce qui vous attend. Il y a les replays, bien sûr, de toutes ces émissions. La Libre Antenne, toutes les semaines, il y en a une nouvelle. Mystère sur les routes des vacances, sur la route des vacances avec Portal. Les fantômes de Washington, Jocelyn F. Keller. L'énergie secrète de l'univers, émission que nous avons réalisée la semaine dernière avec Maxence Taillé, qui était sublime. Voyage au cœur du féminin secret, c'est le royaume des sorcières, avec Christian Doumergue, les terres sacrées. Très belle émission avec Pilar Lunel. Et puis la visualisation créatrice avec Alain Lancelot. Ça va arriver cette semaine, je crois, ou la semaine prochaine. Révéler la puissance de votre être grâce aux secrets d'Isis et du chamanisme. Ce sera avec Alban Vigneret. C'était une masterclass qu'on devait enlever. Je vous ai demandé de mettre le nouveau programme, mais il l'a laissé comme ça. C'est, voilà. Et puis la revue de presse du mystère et de l'expliquer. On voit bien que c'est la fin de la saison. J'ai beau demander les choses, personne ne m'écoute. Qu'est-ce que je vous dise? Alors, dans les questions la semaine prochaine, vous pourrez dire qui est viré. Hein, vous me pourrez poser cette question et je vous répondrai. Je vous dirai qui sera viré, qui ne sera pas l'année prochaine. Bon, on est au 01 86 22 21. Ravi d'accueillir Sébastien. Salut Sébastien. Oui, bonsoir. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir Sébastien. Vous nous appelez d'où? Eh bien, je vous appelle dans le Calvados, dans le pays d'Auge. Hein. D'accord. Je suis entre Saint-Pierre-sur-Dive et Saint-Julien-le-Faucon. Voilà. Donc, magnifique. Vous les souhaitez bonsoir également à Jocelyn et à Valentin. Bien sûr, ils sont là, ils vous écoutent. Alors dites-moi, voilà. Vous avez observé un ovni, un cigare, c'est ça exactement? Eh bien oui, je dirais un cigare, oui, je dirais une forme de gélule, je dirais cigare un petit peu plus gros. Là, on est plus sur une gélule, même pas un tic-tac, je dirais. Ouais. En fait, ça s'est passé le lundi 21 septembre 2020. Hein, c'était donc un lundi en soirée, il était 19h30 tout rond. Mm-hmm. On avait un beau ciel bleu. Et puis, j'ouvrais le portail à ma femme qui a une cinquantaine de mètres en façade de la maison. Et puis, elle rentrait du travail. Et en refermant le portail, je me tourne. Et là, je vois au-dessus de la maison, bien sûr, bien plus loin derrière. Alors, je vois ce qu'on peut appeler, oui, véritablement un ovni. Là, je suis sûr du mot. Je ne suis sûr que de ça, d'ailleurs. Et une forme de cigare, oui. Juste au-dessus de la maison, ça se déplaçait très lentement. Ça venait de la gauche, ça s'est déplacé vers la droite. L'observation a duré 12 à 13 minutes. D'accord, ah oui, quand même. Et parce que là, on voit l'objet, effectivement, oui. Ce que vous avez photographié à l'écran. C'est l'image d'illustration, c'est celle qui illustre. C'est une image d'illustration. Voilà, pour illustrer un peu voilà. Ce d'accord, avait, vous avez bien ça ressemblait fait à ça. Ça ressemblait à ça, en fait, c'est ça. La ressemblance, pour être honnête, la ressemblance est de l'ordre de 95%. Ah oui. La seule différence qui est eue, ouais. C'est que sur la photo que vous avez à l'écran, ouais. Sur la partie convexe gauche de l'appareil, vous avez une forme blanche que moi, je n'avais pas. D'accord. Il n'y avait pas de hublot non plus. D'accord. Ça ressemblait à ce qu'on appelle vulgairement tôle et boulon, je dirais. Mm-hmm. Et en plus, on avait une luminosité, le soleil était relativement bas, ce qui fait qu'on a eu un passage d'une minute et demie, deux minutes,
où on avait le bon angle, et là il s'est révélé couleur feu, quoi, voyez-vous, couleur fauve. Mmh. Et il se déplaçait doucement, bien linéairement, hein, sur un axe qui venait, je dirais, nord-ouest et calé, on va dire, ouais, côté est, hein, c'est-à-dire ça correspond pour vous à Paris, Paris-Dijon, sur cet axe-là. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau, je vous en reparlerai tout de suite si on a le temps. Ouais. Et en fait, l'observation a été longue mais linéaire. En fait, ça donnait l'impression, j'ai bien dit l'impression, hein, ça n'engage que moi, que ça se déplaçait à la vitesse d'un ULM. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Un peu comme si vous avez une montgolfière qui est à 600 mètres de vous, même pas, et tout d'un coup, vous voyez ça, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas de flamme, il n'y a aucune condense, il n'y a rien, il n'y avait pas un nuage. Et là, aussitôt, ma réaction, je l'ai fixée avant d'être sûr, parce que je ne voulais pas passer non plus pour un imbécile. Mm-hmm. Je l'ai fixée un bon moment, puis connaissant le sujet depuis bien des décennies, je me dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est intra ou c'est extra? Alors là, franchement, j'ai eu un moment, j'ai eu le doute, et puis bon, bien sûr, au niveau des dimensions... Hein, alors justement, voilà, c'était gros, c'était ouais. Long, c'était quoi? Alors, moi, j'ai eu un réflexe, hein, c'est-à-dire vous prenez le pouce et l'index, hein, vous le levez aussi à la 45 degrés, vous mettez une gélule entre deux, on va dire de Doliprane pour ne pas citer la marque, mm-hmm. Vous prenez une gélule entre deux, hein, entre le pouce et l'index, vous mettez à 45 degrés, voilà exactement la représentation, l'image que j'avais en toute honnêteté. Moi, ça me donnait l'impression, voyez-vous, ça me donnait l'impression d'être à environ 3,5 km, 4 km, d'avoir un diamètre de fuselage et une longueur l'équivalent d'un Boeing A320, bien d'accord. Sûr, sans cockpit, sans queue, sans aile. Hein. Mais ça avait quelque chose de... Bon, ce n'était pas spectaculaire, je dirais, mais c'était vraiment furtif. C'était... Mais d'un silence absolu. Et en le fixant bien, donc au bout d'un moment, je l'ai dit à mon petit garçon Baptiste, et ainsi qu'à ma femme, donc on était trois à le voir. Et bon, moi, j'ai pas pensé sur le coup à faire une photo avec mon téléphone. En plus, j'ai un téléphone, je dirais, qui est encore à clapet de type néolithique, hein, voyez-vous, mm-hmm. Un peu comme moi d'ailleurs. Mm-hmm. Et mon petit garçon a fait la photo avec son téléphone. Je sais pas, il m'a parlé d'un truc infrarouge et ça a sorti au niveau de l'infrarouge quand il y a eu la transformation. Là, je peux pas vous dire parce qu'au niveau technique, je connais pas le truc. Parce que j'insiste sur le fait, c'est que à la fin de cette manifestation, pendant une période d'environ 2 minutes, 2 minutes et demie, ça s'est dématérialisé passivement sous forme de nuage, Bob. C'est ah là oui. Où j'en parle jamais à donc personne. Donc ça a disparu petit à petit, en fait, c'est ça. Petit à petit, ah oui. Alors que départ, le ciel était clair, vous m'avez dit. Hein. Ah, un bleu magnifique, ouais. Un bleu magnifique. Donc en fait, il n'aurait pas été caché par un nuage, donc il a disparu véritablement, il s'est fondu dans le ciel, en fait, c'est ça. Ah mais ouais, complètement, il s'est vaporisé, j'ai envie d'employer le terme vaporisé, il n'est pas approprié, mais véritablement, le nuage, si on peut appeler ça entre guillemets un nuage, quand il s'est transformé, mmh. Était après l'équivalent de 5 fois sa taille, brumeux, bien blanc, une forme... la forme que vous avez à l'image, un peu. Hein, c'est... Aussitôt, j'ai pensé à ça, justement. Aussitôt, j'ai dit, tiens, sur le net, j'avais vu, parce que je me suis vachement renseigné sur les ovnis cigares, entre autres en Ukraine et en Russie, et j'avais souvenir d'une image, justement, où il y avait ça, et je pensais vraiment pas vivre ça un jour, Bob. Non. Et le nuage n'était pas là jusqu'à ce que l'objet se dématérialise, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Ouais. Et là, je suis très sérieux, Jocelyn. Là, ça fait drôle parce que vous avez en face de vous, sans bouger, vous êtes dans votre cour, vous avez un truc à 45 degrés qui est bien matériel, il n'y a rien autour, mais d'un beau bleu, et il s'en va vers la droite, vous le suivez jusqu'à un angle d'environ 35 degrés, hein, mm-hmm. Quand il est face à vous, 35 degrés vers la droite, ça met 12 à 13 minutes, et là, vous le voyez se transformer véritablement en vapeur, en nuage, progressivement, mais c'est une illusion... C'est assez troublant parce qu'effectivement, si cette chose est exogène et qu'elle était bien réelle, ce qui est fou, c'est les possibilités technologiques que peuvent avoir ces gens ou de comment dire, de camouflage. C'est-à-dire que on peut imaginer. Vous savez qu'aujourd'hui, l'armée travaille sur des capes de camouflage pour qu'on voit à travers. Oui. On peut imaginer que ces engins, s'ils ont quelques siècles d'avance sur nous en termes de technologie, ils peuvent peut-être se camoufler et se fondre, finalement, vous donner l'illusion de nuage alors qu'ils sont encore derrière. Quoi. Vous voyez, on peut tout imaginer. Hein, donc. Et bien sûr, je me suis intéressé justement à ce sujet et je me dis toujours, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens après sans dériver dans le sujet de notre conversation, je me dis moi-même, mais imaginons
donc on est affaire à une technologie ou à des civilisations, une supposition, hein, on sort de notre prisme, c'est pas évident hein, parce qu'on a, c'est vrai que nous on met une image avec un nom en dessous tout le temps, hein, mais imagine qu'on ait une civilisation qui soit avancée en millions ou même peut-être en un milliard, je ne sais pas, d'années d'avance sur nous, mais tout nous paraîtrait magique, hein, on est vraiment devant un rideau bien gris, un écran de fumée, Bob, et puis on est dépassé, hein. Moi, je te dirais simplement, pardon, je commence à te tutoyer. Non, c'est pas grave. On peut se dire tu, à la limite, ça va être plus simple, et moi, je te dirais que, bon, ça fait 10 ans, là, je suis véritablement dans l'ufologie, vraiment 10 ans, là, je veux pas employer le terme dialysé, mais quasiment. Bon, ça fait quand même plus de 25 ans que je m'y intéresse, mais plus j'avance dans le sujet, moins j'ai l'impression d'en connaître. C'est ça qui me fait peur, vois-tu, parce que l'UFO, c'est tellement vaste, et tu découvres toujours de nouvelles choses, et tu te dis, mais et si c'était vrai? Toujours avec des si, du conditionnel. Bien sûr. Moi, j'ai trois petites remarques. La première, c'est que si l'objet, il est effectivement à plusieurs kilomètres, et qu'on le voit quand même de la taille, on va dire, d'un doliprane, ça veut dire qu'il a quand même une taille assez importante. Au moins plusieurs dizaines de mètres, voire plus. Ouais. Et je me dis que, vu la durée de l'observation, qui est au moins un quart d'heure, enfin, en 10 minutes, un quart d'heure, il doit y avoir des centaines, voire des milliers de gens qui l'ont vu. Parce que c'était en fin de journée, il y avait du soleil, il faisait beau, les gens sont dehors, etc. Et voilà. Donc éventuellement, s'il y a des gens qui ont vu quelque chose, c'était quand exactement? 21 septembre 2020. Alors, 21 c'était septembre le 20. Bon. Oui, c'est ça. Le 21 septembre 2020 dans le pays d'Auge, en Normandie. Et après, la deuxième chose, le seul objet que je connaisse qui soit similaire à ça, c'est un dirigeable. Bien sûr. C'est un dirigeable parce que les dirigeables ne font pas trop de bruit. Ils sont plutôt gros. Voilà. Ils avancent doucement. Par contre, ils disparaissent pas. Par contre, alors après, il y a l'histoire de la disparition, de la dématérialisation en forme de nuage. Alors, est-ce qu'il n'y a pas possibilité? J'en sais rien. Moi, j'y étais pas. Je ne sais pas sous quel angle vous l'avez vu, etc. Qu'il y ait une sorte d'illusion. Enfin, d'illusion. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il se dématérialise. Et en fait, vous avez. Alors, je ne sais pas, le soleil était dans votre dos, par exemple? Alors, au moment de l'observation, donc justement, l'observation pour moi était nord-est, hein, quand il était face à moi, c'était nord-est, il était bien aligné de toute sa longueur. Donc le soleil était dans votre dos. Dans votre dos, nord-est, donc le soleil était dans votre dos. Mais sur un plan arrière-gauche. Oui, c'est ça, arrière-gauche. Alors après, je ne sais pas, il faudrait refaire le truc, peut-être qu'un soleil couchant crée... Ça veut dire que le soleil a illuminé l'objet. Peut-être qu'il illuminait l'objet et le rendait entre guillemets invisible en l'illuminant si l'objet est tout blanc. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais je lance des hypothèses. Jocelyn, si je peux me permettre, les premières minutes où je l'ai vu, je dirais les 4 premières minutes, il était bien couleur aluminium, couleur métal. Hein. D'abord, ça m'avait interpellé, je me suis dit, et si c'était un ballon avec de l'hélium? Et si, j'ai bien dit, toujours avec des conditionnels. Les dirigeables sont couleur métallique. Hein, et puis au bout d'un moment, le soleil, l'angle avec les rayons du soleil le rend de couleur feu en partie, je dis bien en partie. Mmh. Et puis on était 3 à le voir. Hein, et puis je vous dis, ça a bien mis 1 minute et demie à se dématérialiser. Et en plus, au bout d'un moment, moi, j'ai stoppé, mais j'aurais pu le regarder encore au moins 5 minutes. On va remettre la photo, Mathis, en régime pour qu'on puisse quand même se rendre compte. Alors, je vais quand même avoir l'honnêteté de vous dire, j'ai oublié de le signaler à Valentin, mais le lendemain matin même, j'avais besoin de prendre ma claque officiellement, j'ai appelé la tour de contrôle de Caen Carpiquet pour leur demander s'ils n'avaient pas un écho, connaissant très bien la réponse, hein, c'est un peu comme le GEPAN, hein, mais je voulais avoir ma claque, donc j'ai téléphoné, et puis j'ai une gentille secrétaire qui m'a passé le directeur, et puis le directeur m'a dit au bout d'un moment, parce que je vais donner l'heure, la trajectoire, tout ça, il m'a coupé court en me disant, oui monsieur, je vois très bien où vous voulez en venir. Il me dit, moi, vous savez, mon domaine, c'est les avions et pas autre chose. Hein. Le restant, pour moi, c'est... Voilà, voulant dire, c'était un peu... le berlu, quoi, si vous voulez. Donc, j'ai abandonné. Et puis, j'en parle jamais à personne, hein, parce que ça paraît fou. Hein, et je vous dirais franchement que j'ai fait un gros effort d'en parler ce soir au sein de votre radio, hein, parce qu'en plus, beaucoup de monde nous écoute. Mais sinon, je le garde assez secret, parce que à qui voulez-vous dire ça? Vous vous imaginez, en repas de famille ou avec des amis, vous êtes à une table... vous leur expliquez le truc, ils vont vous dire,
attendez, c'est bon, quoi. Oui, alors vous savez qu'il y a quand même, moi je vois quand même, parce que je commence à en parler autour de moi, et avec quelques infos qui fusent un peu par là, qui sont relayées par quelques médias, on a vu par exemple que l'audience du congrès du 17 mai dernier avait été même évoquée dans les chaînes mainstream. On commence à avoir des gens qui ont un autre regard, qui se disent, et pourquoi pas, et si c'était vrai, on voit que la NASA annonce, et il y a toujours un autre filet quelque part, dans les bouquins de science, ou même dans les magazines scientifiques, dans les sciences et vie, etc. Exactement. On commence à avoir des gens qui ont un regard un peu moins moqueur et qui se disent, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, si vous allez... je comprends, en même temps, je comprends la réaction du bonhomme. Quoi. Il dit, moi, mon but et mon boulot, c'est d'observer les avions, rien d'autre. Il n'y a pas d'écho hasard, il n'y a rien d'autre, je ne peux pas aller plus loin. Non, moi, ce que je déplore, franchement, vraiment, c'est aujourd'hui la position du GEPAN quant à tout ce qui se passe aux États-Unis annonces. Il y a encore une fois, on a écrit un article sur btlv.fr, on l'a posté il y a deux jours, le Congrès a validé le partage d'informations, c'est-à-dire qu'il y a une ordonnance qui a été votée. Voilà, aujourd'hui, les militaires sont obligés de se partager les informations, de les divulguer, de les donner aux États-Unis. Oui, mais pas en France. Et bien voilà, et en France, il ne se passe rien. Et ça, je me dis que ça part. Pourtant, il y a un nouveau directeur au GEPAN, je me suis dit, il est jeune, visiblement. Il ne dépend pas des États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis, ça se passe en France aussi. Il n'y a aucune marge de manœuvre. Non, mais il aurait pu au moins réagir, parce qu'on l'a interrogé sur quel est votre regard sur ça. Je me souviens, en 100 ans, j'avais demandé encore à Xavier Passot l'année dernière, parce qu'on commençait à parler de ça. Il m'avait dit non, mais nous, au GEPAN, on ne s'intéresse pas à ça, etc. On n'a aucune. Mais. En France, j'imagine qu'il y a aussi des témoignages. Enfin, faut pas délirer. L'OVNI n'est pas chasse gardée des Américains. Il doit y avoir des observations partout faites par des pilotes ou des militaires. Sauf que nous, on n'en parle pas. Et je trouve ça incroyable qu'il n'y ait pas quelqu'un dans une, je sais pas, un scientifique, un machin. Si on a Luc Dini qui était venu parler, qui était un officiel, qui avait parlé lors d'une émission sur le rapport du Pentagone. Il parlait en son nom, effectivement. Mais on compte. Mais d'un organisme. Voilà. Mais il n'y a mais pas ça, c'est la France. Mais c'est dramatique. Mais c'est la France. Aujourd'hui, tu as des organismes. Aujourd'hui, tu veux prendre la parole, c'est compliqué. Tu remontes dans la hiérarchie. Et jusqu'à il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit OK, c'est moi qui prends la parole. Mais il faut le trouver. À la limite, je vais vous dire une chose. De tous les sujets BTLV aujourd'hui, l'OVNI est certainement le plus tangible, le plus proche de la rationalité, parce qu'il y a des éléments, parce qu'il y a des vidéos, il y a de l'actualité, parce qu'il y a des militaires qui parlent, parce qu'il y a des observateurs, il y a des pilotes, il y a des films, il y a des vidéos. Toute forme de divulgation, que ce soit les corps de métier, mais bien sûr. C'est ça, ça paraît. Tu sais, Bob, je vais être franc avec toi. Bon, je connais je ne citerai pas son nom, mais je connais un pilote de ligne qui est devenu après instructeur. Bon, bref, maintenant il est en retraite. Bon, j'ai réussi à le prendre à part, à l'écart. J'ai dit, donnant, allez. Il m'a avoué, mais il m'a dit, là, je parle. Il m'a fait comprendre, il m'a dit, je parle, parce que je vole plus. Parce que sinon, il finissait sur le tarmac, tu vois. C'est un truc de fou, je veux dire. J'irais jusqu'à dire que ça n'engage que moi, mais le travail de désinformation en matière d'ufologie, d'OVNI ou autre, quel qu'il soit, a tellement été bien orchestré qu'aujourd'hui, c'est presque rentré dans l'ADN de pas mal de gens. Je veux dire, je ne jette la pierre à personne, mais je le vois régulièrement autour de moi. Les gens sont tellement matricés par l'info conventionnelle qu'ils n'ont même plus leur propre liberté de penser. Bon, ils ne sont pas tous comme ça, c'est pas une généralité, mais je te dis, je le vois autour de moi. Moi, tu vois, en toute honnêteté, je suis dans ce domaine-là depuis bien longtemps, très discrètement, et je ne le divulgue jamais quand je suis en public. Même lors d'un mariage où on parle avec des gens comme ça au coin d'une... Jamais. Et par contre, des fois, j'ai le récit de certaines personnes. Bien sûr. Alors après, je m'intéresse à certaines personnes quand elles sont fiables, sérieuses ou autres. C'est pour ça que j'ai 6 cas derrière moi dans mes connaissances, dont un que je peux t'évoquer très rapidement, que tu connais très bien. Mais j'ai un ami que nous appellerons
Gérard, pour faire court, qui justement était dans l'Est en casernement et faisait son service militaire en novembre 90, tu vois où je veux en venir, ouais, le 5 ouais, novembre, ouais, ce ouais. fameux lundi, et moi j'étais à l'hôpital de militaire de Cherbourg en plus, c'était le jour de mon admission, donc je risquais pas de voir grand chose, mais je me rappelle bien de ce jour-là. Et bien donc Gérard m'a dit, tiens dis donc, toi qui t'intéresses, alors j'aime bien le mot, au petit bonhomme vert, ça me fait ouais, marrer, bon bref, bon, je souris, je dis rien. Il me dit, faut que je t'explique quand même quelque chose. Il me dit, tu sais, il me dit comme ça. Il me dit, je suis très sérieux. Il me dit, moi, c'est pas du tout mon domaine. Ça m'intéresse pas. Mais moi, quand j'étais en casernement, je sais plus où, dans le nord-est de la France, il m'a dit, un soir, justement, il me dit, j'étais avec mon adjudant-chef, et puis je ressortais d'un réfectoire avant d'aller manger à la cantine. Il était environ 19h. La nuit était tombée. Il y avait un beau ciel bleu. On voyait les étoiles, mais il faisait sombre quand même. Il me dit, figure-toi. Il me dit, on a vu une immense chose circulaire au-dessus de nous, avec une lampe au centre qui était en léger retrait, qui diffusait une lumière bizarre, claire. Il me dit, mais c'était énorme, à un point qu'on ne voyait plus les étoiles autour. Oui. Et il me dit, par contre, on voyait les avions de ligne à hauteur clignoter, et au bout d'un moment, on les voyait plus. Et il me dit, mon supérieur, qui me dit rentrant, il dit, regarde bien Gérard, ça tu ne reverras jamais ça de ta vie. Et au moment de clencher la porte pour aller manger, pour aller dîner le soir dans le réfectoire, à la cantine, de loin son chef lui dit, Motus, hein, il lui fait en rentrant. Vous voyez ? Ouais. Et puis, ah bon, il lui dit ça comme ça. Et puis après, il saute du coq à l'âne en me disant, dans le genre, bah tiens, t'as vu le PSG hier soir, il a fait 2-1. Bien sûr. Mais vous savez, Sébastien, c'est à propos des petits bonhommes verts, on diffusera tout à l'heure l'extrait d'une interview de Randall Nickerson qui a fait le documentaire Ariel Phenomenon qu'on trouve sur la toile aujourd'hui en streaming. Et j'ai eu la chance d'avoir le réalisateur qui est revenu 30 ans après sur cette histoire. Et quand on voit 30 ans plus tard les adultes qui étaient enfants à l'époque, 62. T'as vu comment ils sont impactés ? Et surtout, ils refont toujours les mêmes dessins de ces bonhommes qu'ils ont vus avec les grands yeux. Voilà, donc j'en parlais avec Maxence Laillé la semaine dernière, qui était l'invité de Bob, vous dites toute la vérité, et on se disait, mais il va y avoir quelque chose. Enfin, on a la sensation aujourd'hui qu'ils sont là, qu'il y a un truc au-dessus qui plane et qui, à un moment donné, va se montrer. En tout cas, Sébastien, on peut malheureusement pas continuer cette discussion qui est passionnante, mais bien sûr, vous n'êtes pas le seul à vouloir témoigner. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un très, très bel été, ou je te souhaite un très, très bel été. Et puis, si jamais, à la rentrée, tu as d'autres choses à nous raconter, n'hésite pas. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. On est en direct, bien sûr. C'est la libre antenne sur BTLV 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Et on se tourne justement vers les réseaux sociaux avec Valentin. Ouais, et on a plusieurs réactions sur YouTube avec Lima qui nous dit le fameux cigarlan. J'ai l'impression que tellement de personnes l'ont vu. Qu'il y a beaucoup de témoignages récurrents de ce style. Oui, et en même temps, vous allez dans la rue, vous posez, est-ce que vous avez déjà vu ça ? Il y a plein de gens qui disent, non, j'ai jamais rien vu. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est au cœur de ces sujets. Ouais. Moi, par exemple, j'ai jamais vu de cigare long. Donc voilà. Donc, c'est vrai que c'est une forme qui revient assez souvent dans les témoignages. Mais vous savez, il faut faire très attention au sujet que l'on évoque sur BTLV, parce qu'on a toujours l'impression que nous, comme on baigne dedans, que tout le monde parle de ça, etc., et vous sortez dans la rue, mais les gens, les expériences de mort imminente, oui, j'en ai entendu parler. L'exorcisme, je ne veux même pas en parler. Ça reste très vague. Il y a un intérêt, mais c'est ça reste une niche quand même. Après, il y a des gens qui se passionnent pour ça. Ah oui. Soit ils sont passionnés, soit ils ont vaguement entendu parler, mais c'est rare. Ouais, c'est ça. Donc, Et puis on a Lino qui nous dit, enfin en tout cas qui suggère que ça pourrait être un dirigeable puisque ça se déplace très lentement. Ouais. Et puis on a Colette qui nous dit, je vois souvent des ovnis cigares dans les nuages et ils disparaissent et parfois ils créent des faux nuages. Oui, bien sûr, mais ça aussi c'est une constante, c'est-à-dire qu'en fait parfois l'ovni se transforme en nuage, enfin bon, comme s'il y avait une envie de se camoufler. Dans une poignée de secondes, vous allez découvrir un témoignage assez incroyable, celui d'une créature qui a attaqué en pleine nuit Rachel au-dessus de son lit. Il y a une vidéo, vous verrez, c'est assez étonnant. Avant cela, j'aimerais revenir sur une émission qu'on a postée et qui marche très très bien sur BTLV, Le Code Sophia. Vous connaissez peut-être ce livre, il a été écrit, c'est un best-seller mondial par Kaya. Et elle était mon invitée. The Creator made us in her his image and likeness. How could we be anything less than that? How could we be anything less than divine if that's what we come from? You know, for many years
I prayed to a god and I prayed to the Ascended Masters outside of me as though I wasn't divine and sovereign like them. And then when I finally realized the teachings of the Sophia Code, when I finally got it, I realized everyone is free. We're all free. But the programming has enslaved our minds. And if we unplug from this programming and we plug into our source of sovereign divinity, we don't even have to fight against anyone or anything, because there is literally nothing more powerful than your own divine light. Le Code Sophia, retour à notre souveraineté divine avec Kayara. Très très belle rencontre. C'est la deuxième fois qu'elle venait sur BTLV. Elle vient des États-Unis pour répondre à mes questions et je suis ravi qu'elle accepte de le faire, bien sûr. Vous arrivez, soyez les bienvenus, vous ne changez rien du tout. On accueille sans transition aucune Rachel. Bonsoir Rachel. Bonsoir. Ravi de vous accueillir Rachel sur BTLV. Vous êtes en vacances, vous travaillez encore ? En vacances. D'accord. Profitez-en bien. Vous avez été attaqué par une créature, vous, c'est ça ? Dites-moi tout. Oui, ben, ça s'est passé il y a 8 ans. 8 ans. Et j'en parle seulement aujourd'hui. Quand vous aurez entendu la fin, vous comprendrez pourquoi j'en parle seulement aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a 8 ans, je me suis retrouvée au milieu de la nuit, au bout de mon lit, sur le dos, avec une créature au-dessus de moi. Elle avait la tête à 30 cm de mon visage et des dents effrayantes, quoi. Et cette créature a pris sa main et me l'a enfoncée dans les tripailles. Je l'ai senti rentrer, je n'avais aucune douleur. Je ne peux pas vous dire, vous exprimer la sensation parce que c'est inexplicable. Et à ce moment-là, j'étais terrifiée. J'ai dit, mais il va me manger. Et je me suis mis à prier. J'ai prié du plus profond de moi-même. Et la bête a enlevé sa patte, s'est redressée. Je me suis dépêchée de monter dans mon lit. Je me suis mis en boule sous les couvertures et j'ai prié. Et je me suis endormie. Et le lendemain matin, quand je me suis levée, je me suis touchée. Je me suis dit, mais t'as encore fait un rêve à la con. Mmh. Et ça m'a turlupinée pendant quelques instants. Un côté de mon cerveau me disait, mais t'es sûr que t'as rêvé. Et au fil du temps, ben, l'histoire, j'ai oublié. Jusqu'à ce que, début janvier, je regarde sur Internet et je regarde des squelettes de créatures bizarres. Mmh. Et là, je vois la mienne. Alors, on va diffuser une vidéo qui est une illustration de ce que vous auriez vu au-dessus de vous. Hein. C'est une vidéo qui n'est pas l'animal ou la bête qui vous a, mais elle ressemblait à ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait une tête qui était allongée, parce que là, il y a un côté un peu alien, hein, quand même. C'est-à-dire qu'il y avait une tête un peu allongée, avec une longue queue. Et cette bête, elle se tenait sur deux pattes ou sur quatre pattes ? Ça, je ne peux pas vous dire. La seule chose que je me suis fixée, c'est son visage. D'accord. Son visage et ses pattes. Et ça, son espèce de posture, c'est elle. Il n'y a pas. Et quand je l'ai vue, mon bide, j'ai eu mal au ventre, mais vous imaginez même pas. Et je me suis dit, non, c'est pas vrai, c'est elle. C'est cette bête-là. Mais dites-moi, quand vous dites qu'elle vous est rentrée, qu'elle a rentré la main dans votre tripe, c'est-à-dire qu'en fait, elle est passée à travers votre peau et elle a fouiné à l'intérieur de votre ventre. En fait. Oui. Mais je vous dis, aucune douleur, une sensation étrange, mais rien de douloureux. D'accord. Et le lendemain, non plus, pas de douleur, pas de bleu, pas de cicatrice, rien. Strictement rien. Comme si, je vous dis, comme si j'avais fait un rêve à la con. D'accord. Je me suis dit, t'as encore fait un rêve à la con. D'accord. Ok. Et depuis, pas de retour de cette bête, jamais la même sensation en vous couchant. Non, jamais. D'accord. Et à cette période de votre vie, vous étiez dans un état où il se passait quelque chose de particulier ? Non. Non, il y avait... C'était la première fois que ce type d'événement arrivait ? Non. D'accord. Donc, il y avait eu déjà des manifestations singulières dans votre chambre, c'est ça ? Je me suis déjà fait sortir de mon lit par les jambes. Ah, vous avez été tiré par les jambes dans votre lit, en fait, c'est ça ? Ouais, de mon lit. Donc, quand je me suis réveillée, on me tirait de mon lit, je me suis accrochée. Et pareil, je suis rentrée dans mon lit en boule et j'ai prié. J'ai prié parce qu'il n'y a que la prière divine qui est puissante contre ça. Et quand vous avez la sensation d'être tiré par les jambes, vous vous retrouvez au fond du lit vraiment ou c'est juste une sensation ? Oui, forcément, je remonte mon lit. Enfin, je prie, je dis non, je ne veux pas y aller. Mmh. Ça m'est arrivé une fois. Mmh. Et je remonte mon lit et je me fous sous mes draps et là, ben, je prie et puis c'est là que je suis libre. D'accord. À l'abri.
Et ce sont des choses qui vous arrivent depuis longtemps, ça, quand même, ou pas? Ben, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas... ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, en fait. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui vous... qu'est-ce qui arrive à vous convaincre que vous n'étiez pas en train de rêver? Parce que quand j'ai vu cette bête, j'ai eu mal à l'estomac. Quand je l'ai vue, il y en avait plein d'autres que celle-ci. Mais quand je l'ai vue, j'ai mon estomac, mes tripes, ils se sont serrées. C'est quand vous êtes... Mon exemple à moi, c'est par exemple, vous promenez dans la rue, vous voyez des gens, ça ne vous dérange pas. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui vous a fait du mal, vous avez une appréhension. Ben moi, c'est pareil. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, vous avez la sensation que ce que vous avez vu au-dessus de vous donc, était réel, en fait, absolument réel. Ah oui, maintenant, j'en suis persuadée. Oui, là, quand je l'ai vu, oui, maintenant, oui. Sans savoir pourquoi, en fait, cette bête est venue. Et sans... Parce que depuis... Ça vous est arrivé, c'était il y a combien de temps? Ça m'est arrivé il y a 8 ans. 8 ans, oui, c'est ce que vous me disiez au tout début, pardon, j'avais oublié. 8 ans, et depuis, il n'y a pas eu de maux de ventre? Vous n'avez rien senti à l'intérieur de votre... Rien. Rien du tout. Bon. Non. Bah écoutez, en tout cas, c'est une singulière rencontre que vous avez fait là et qui a dû vous effrayer quand même, parce que j'imagine que maintenant, quand vous allez au lit, vous avez peur, non? Bah avant, j'éteignais la lumière, mais ce coup-ci, je peux la lumière arriver. Et ouais. Bon, écoutez, en tout cas, Rachel, si jamais il vous arrive une nouvelle fois ce type d'événement, n'hésitez pas à nous en faire part. On pourra toujours vous écouter et regarder ce qui se passe en détail. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Ça dépend de quel côté vous nous regardez et du globe, hein, bien sûr. Et à très bientôt. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Comme toutes les semaines, vous pouvez, puisqu'on est en direct, partager cette émission, faire découvrir BTLV au plus grand nombre sur vos réseaux sociaux et démontrer qu'il existe un média rare à votre communauté. Je profite de ce petit instant pour saluer Marie qui nous a envoyé 200 étoiles sur Facebook. Vous pouvez le faire, hein, nous aider. Voilà, vous nous envoyez des étoiles et ça nous fait bien plaisir. Et voilà, donc c'est l'occasion aussi là de nous aider d'une autre façon. Valentin. Oui, et puis Bob, la semaine prochaine, tu répondras aussi aux questions des abonnés. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, sur les réseaux sociaux aussi. Et puis sur Twitter, avec le hashtag FAQBTLV. Et puis, pour ce qu'il en est des réactions, on a sur Twitch Kev qui nous dit « Ça ressemble un peu au Chupacabra. Si. Voilà. Mais c'est pas du tout le bon pays. » Et puis, on a sur Facebook Mallory qui dit que cette personne a des capacités spirituelles. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais dans tous les cas, elle vit des choses qui ne sont pas communes. Ça, c'est sûr. Vous voulez nous regarder la télévision? C'est possible, la preuve. Regardez BTLV sur votre télévision, il suffit tout simplement d'ouvrir le navigateur Google Chrome et de vous rendre sur btlv.fr. Rendez-vous sur l'émission de votre choix, faites ensuite un clic droit sur la vidéo et sélectionnez « Caster ». Sélectionnez enfin votre Chromecast et la vidéo arrive comme par magie sur votre télé. Voilà, vous pouvez nous regarder donc sur le grand écran. Il y en a beaucoup hein, qui m'envoient des photos des émissions qu'ils suivent sur leur écran géant. 01 86 22 21 20. Emmanuel est avec nous et on va partir du côté de Nanterre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Bob, bonsoir Jocelyn. Ravi de vous accueillir Emmanuel. Alors, votre témoignage et votre observation remonte en juillet, c'est ce juillet-là ou en 2022? Absolument. D'accord, ah ouais, il y a quelques jours. Dans la nuit du 1er... Ah ouais, il y a 15 jours, c'est dans la nuit du 1er au 2 juillet 2022. D'accord, ok. Et alors, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, je vais essayer d'être précis. Alors, il était aux alentours de 23h45, donc j'habite à Nanterre, au niveau du Mont Valérien, donc un petit peu en hauteur. Mm-hmm. Donc, il n'y avait pas trop de pollution lumineuse. On est voisins, hein, parce que j'habite aussi au Mont Valérien, à Nanterre. Hein, donc, Ah bah... voilà. On aurait pu se croiser. On va se croiser au Carrefour Market. Okay, voilà, ça. C'est ça. c'est ça. Bon, bah écoutez, en gros, il était 23h45. Voilà, donc... alors, comme je suis un férou d'astronomie, bon, bah tous les soirs, je regarde le ciel. Et ce soir-là, il n'y avait absolument aucun nuage, un ciel bien étoilé et assez lumineux.
Enfin, quand je dis lumineux, c'est qu'on voyait quand même pas mal les étoiles. Ouais. Ok, donc je regardais tranquillement. Et à un moment donné, je regarde sur ma gauche, donc au niveau de l'ouest. Mmh. Rien du tout. Je regarde sur ma droite, au niveau de l'est. Enfin, c'est l'inverse, pardon. Rien du tout. Et après, je regarde de nouveau sur ma droite, et tout d'un coup, sans rien, sans aucune explication, une boule, une grosse boule lumineuse orange apparaît dans le ciel. Donc, elle venait de l'ouest. Hein. Je me suis peut-être un petit peu emmêlé les pinceaux sur l'est-ouest. Mais en tout cas, ça venait de l'ouest. C'est ce qu'on voit à l'écran, là. C'est-à-dire qu'on a mis la vidéo que vous nous avez envoyée et on voit effectivement une boule. Alors, on a grossi, bien sûr, la vidéo pour qu'on puisse voir parce que c'était assez loin. Et alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une boule. Donc, voilà. Maintenant, vous me disiez qu'il y avait des étoiles. On n'en voit pas du tout, là, quand même. Non, parce que, bon, alors, en gros, hein, donc je vois cette boule lumineuse. Donc évidemment, m'intéressant un peu au sujet ufologique et ovni depuis maintenant 2 ans, écoutez, en 2 secondes, j'ai compris que ce que je voyais, c'était pas quelque chose de conventionnel. Et donc, mon cœur s'est mis à battre. Pourquoi ce sentiment, justement, Emmanuel? Pourquoi vous pas l'expliquer. Je peux pas l'expliquer. D'accord. C'était. Je peux pas l'expliquer. Donc là, c'est en fait, dès que j'ai vu cette boule orange, mais qui contrastait vraiment dans le ciel, hein, entre un ciel un peu noir avec quelques étoiles très très haut et cette boule lumineuse qui était quand même beaucoup plus basse. Ouais. J'ai eu une espèce de j'ai été pris par un sentiment que je pouvais pas maîtriser. Le cœur qui se met à battre, les poils qui s'érissent, et j'ai compris en 2-3 secondes que ce que je voyais n'était pas normal. Mmh. Et m'intéressant au sujet OVNI, si vous voulez, depuis pas mal de temps maintenant, et grâce à toutes les émissions, et notamment les vôtres, hein, Bob, et j'ai eu ce réflexe de prendre mon portable, et qui était juste à côté, et donc de filmer et de prendre une photo. Bien fait. Et donc, en filmant, je me suis dit, ne zoome pas, je suis simplement l'objet. Donc l'objet a commencé à se déplacer assez lentement, donc d'ouest en est, devant ma terrasse. Donc il s'est déplacé très lentement. Et ce qui m'a vraiment marqué, si vous voulez, dans le fait que j'ai compris que ce que je pensais, enfin là où je suis certain d'avoir vu sans doute un objet ou en tout cas un phénomène non identifié, c'est qu'il n'y avait absolument aucun bruit. Au Mont-Valérien, Bob, vous qui habitez au Mont-Valérien, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'avions qui passent au-dessus, ouais. Soit à plus basse altitude ou soit très très haut, et donc on entend les moteurs, que ce soit des hélicoptères, des avions, on les entend. Là, il n'y avait absolument rien, et à 23h45, évidemment tout le monde était couché, il n'y avait pas un bruit, et donc l'objet est passé devant moi, sans aucun bruit, il y avait un silence de mort, et donc après, il est parti vers l'est. Ça a duré peut-être 20 secondes. Et après, tout d'un coup, la boule a disparu. Comme ça, sans rien. C'est-à-dire que quand vous dites qu'elle a disparu, elle s'est éteinte ou elle a foncé, elle est partie? Non, elle est partie d'un coup. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si elle avait disparu. D'accord, donc voilà. C'est-à-dire qu'en gros, elle est passée vraiment devant moi assez lentement, quand même. Donc j'ai quand même franchement, je l'ai vraiment bien vue. Et effectivement, quand elle est partie sur l'est, tout d'un coup, hop, disparu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux solutions. Soit elle s'éteint complètement, elle disparaît. Soit elle est suffisamment rapide et tellement rapide que vous n'avez même pas le temps de la voir partir. Elle se volatilise, tellement c'est rapide. Alors ça, je peux pas vous le dire. C'était un peu loin, c'était à l'horizon, loin. Donc, mais vraiment, elle a disparu. Est-ce que vraiment, alors, moi, il y a quand même un élément qui pour moi ça m'interpelle. C'est que le phénomène, vraiment, il était magnifique. Hein. C'est cette boule orange très lumineuse qui passe assez lentement devant vous. C'est quand même un phénomène. Et l'altitude, à peu près, parce que c'était quoi? Alors, l'altitude, évidemment, je ne suis pas expert. Hein, je l'ai estimé comme ça, mais sans aucune certitude, entre 500 et 1000 mètres. Ah, c'est pas haut. Mais c'est, parce que quand on voit quand même les avions... alors moi, on voit des avions, mais on entend rarement le bruit. En tout cas, c'est parce qu'on les voit assez haut, au-dessus du Mont-Valérien, parce qu'ils ont décollé de Roissy. Tout en le bruit après qu'ils soient passés. Voilà, et en le fait... Son va moins vite. Et là,
500 000 mètres, c'est pas beaucoup, hein. C'est-à-dire que non, c'est plutôt bien. Moi, j'ai vu, au 14 juillet, j'ai vu les hélicoptères passer devant la maison. Je les voyais parce qu'ils allaient en direction donc des Champs-Élysées. Ils étaient, ils étaient à 1000 mètres d'altitude à peu près, hein. Un peu plus, entre 500 et 1000 mètres. Et on les voyait bien. Donc c'est pas très haut, hein. C'est-à-dire qu'on les voit très très distinctement. Donc ça veut dire que vous, vous avez vu ce truc-là très distinctement, en fait, c'est ça. Alors j'ai vu la boule très distinctement. Franchement, elle était vraiment visible. Ah, maintenant, quand je vous dis 500 000 mètres, franchement, c'est une estimation. J'ai pas de notion. Et puis c'est le soir. En plus, c'est la nuit. Donc. Et puis c'est le soir, la nuit. Et j'ai pas eu le réflexe de prendre un élément de comparaison. Un élément de comparaison. Comme est-ce que vous aviez la sensation que c'était gros? Oui. Oui. Oui, oui. La boule était grosse. D'accord. Franchement, la boule était grosse. Vraiment. Franchement, mon Valérien. Enfin, moi, j'en vois beaucoup des satellites. Voilà, que des avions, des hélicoptères, on en voit. Et franchement, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Et franchement, c'est interpellant. Et je vous avoue que ça m'a vraiment à peu retourné. Et ce que je voulais vous dire aussi, parce que ça, là, on bascule peut-être sur quelque chose d'un peu irrationnel, c'est que depuis que j'ai vu ce phénomène, que je ne peux pas expliquer, évidemment, je vous avoue que je suis un peu retourné parce que je n'arrête pas d'y penser. C'est vraiment c'est en moi, quoi. J'ai vraiment quelque chose qui a été retourné, quoi. D'accord. Dans le sens, c'est devenu une obsession. J'y pense tous les jours. Je revois la scène, mais comme si c'était hier soir, quoi. Et vraiment, je ressens quelque chose en moi C'est le syndrome David Vincent, hein, c'est-à-dire que vous les avez vus, ça y est, ils sont là. Hein. Donc en fait, mais je peux comprendre que quand on voit quelque chose c'est ce qu'on appelle le sentiment d'étrangeté. Voilà, c'est ça, c'est que ça vous quitte pas, quoi. Un truc suffisamment étrange que tu ne comprends pas, et forcément après ça te rend. Dans tous les cas, sachez que le 18 juin, tous les 18 juin au Mont Valérien, il y a un extraterrestre qui vient, c'est le président de la République. Hein. Donc voilà, il vient. Oui, à la Croix d'Orange. Voilà, exactement. Donc voilà, il vient tous les ans. Donc, écoutez, en tout cas, merci pour ce témoignage et cette vidéo. Effectivement, si vous étiez dans la nuit du 1er au 2 juillet, du côté dans le 92, hein, parce que le Mont Valérien, si on voit, on a dû le voir à Puteau, on a dû le voir de Puteau, on a dû le voir de Courbevoie, parce que voilà. Donc si jamais vous étiez même de Neuilly, si vous étiez sur le parvis de la Défense, vous avez peut-être vu ce truc-là. N'hésitez pas à nous en faire part, là, encore une fois. Vous nous appelez au 01 86 22 21 20 ou alors vous nous écrivez à redaction@btlv.fr. Emmanuel, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci. Bonnes vacances si vous partez en vacances et bon boulot si vous bossez. Salut. Témoignage. Réaction. Commentaire. C'est la libre antenne BTLV. Merci d'être avec nous sur BTLV. Je voudrais saluer la sortie d'un magazine partenaire. Il y a le magazine classique, OVNI et Marine américaine, c'est Inexpliqué, et le hors-série consacré à Mystère des pyramides. Deux jolis magazines que l'on doit à Cieux, Nicolas, mon petit Gianni. Et voilà, donc c'est vraiment deux jolis magazines qui vont vous permettre de passer de très très bons moments cet été sur la plage ou à la campagne ou sur votre chaise longue. Ou alors même au boulot, si vous bossez, au mois d'août, il n'y a pas grand monde, donc vous pouvez peut-être en profiter pour lire. Donc c'est bien sûr possible de se les procurer dans tous les bons kiosques ou alors sur le site scienceetinexpliqué.com ou .fr. Merci en tout cas pour Nicolas. Jocelyn FKLR, mon Jocelyn, on a fait, après ton retour de Washington, un sublime numéro des dossiers inexpliqués. On va en parler juste après, regardez un extrait. Et enfin, dès la fin des premières présidences, hein, donc ça remonte pas à hier, c'est remonte à avant-hier, il y a des rumeurs qui ont commencé à circuler sur d'étranges événements qui se dérouleraient dans la Maison Blanche. Et cet endroit, il est situé au deuxième étage de l'aile ouest et il porte le nom de Lincoln Bedroom, c'est l'ancienne chambre du président Abraham Lincoln. Donc on y dit que bien sûr le fantôme de Lincoln en personne, avec sa célèbre redingote, son collier de barbe et son chapeau de forme, continuera de hanter cette pièce. Si la chambre de Lincoln a vraiment cette réputation de lieu le plus hanté de la Maison Blanche, c'est parce que certaines personnes illustres ont avoué avoir vécu dans cette pièce une rencontre paranormale. Ça commence par la reine Wilhelmine des Pays-Bas, qui est invitée par le président Roosevelt en 40. Là, elle va connaître dans cette chambre la peur de sa vie. Au milieu de la nuit, elle a été réveillée par des bruits sourds. Quelqu'un était en train de tambouriner à la porte. Donc irritée, elle se lève en se demandant qu'est-ce qui se passe. Elle ouvre la porte et elle se retrouve face à un fantôme.
Une apparition spectrale, un homme grand, maigre, barbu, ouais, habillé de noir, portant en haute forme. Voilà. Alors, sous le coup de l'émotion, elle s'évanouit, de peur. Oh. Et elle n'a pas cessé d'avoir peur jusqu'à la réception officielle. Ouais, oui. Absolument traumatisée. Les fantômes de Washington avec Jocelyn F. Keller, c'est vrai que c'est une ville, on l'a découvert dans cette émission et je vous invite à vous abonner pour la découvrir si ce n'est pas encore fait. Des choses incroyables quand même. Ah bah c'est une ville où il y a des fantômes à tous les coins de rue. C'est ça. À tous les coins de rue. En fait, j'en connaissais certains parce qu'il y a des histoires très connues. Mm-hmm. Mais en fait, je me suis aperçu que toi, tu es autour de la Maison Blanche, entre la Maison Blanche et le Capitole, pratiquement chaque immeuble a son fantôme. Ouais, c'est ça qui est. Alors j'en ai choisi plein dans l'histoire. Je ne pouvais pas tous les recenser. Il y en a même certains que j'ai dû écarter. J'ai pris les histoires les plus, on va dire, les plus emblématiques, celles qui, où il se passe le plus de choses, qui sont les mieux documentées. Et en plus. C'est accepté. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de problème, quoi. Ah non, c'est tout à fait. Ça fait partie du folklore de la ville. D'ailleurs, tu as des sortes de tours, là, qui. Des sortes de randonnées. Alors, ouais. C'est soit diurne, soit le soir. Alors, le soir, à mon avis, c'est plus impressionnant. Où tu as un guide qui, en général, connaît très, très bien le sujet, qui va t'emmener au fond d'un cimetière ou dans le ghost tour. Alors, il y a plein d'endroits qui sont privés. On peut pas, ouais. On peut pas, ouais, toujours rentrer, hein, bien, mmh, sûr. Mais bon, on peut se mettre au moins devant l'immeuble et imaginer ce qu'il y a dedans. Ouais. Eh ben, en tout cas, c'est ta destination et pour. Et l'an prochain, je suis en train de réfléchir à peut-être quelque chose autour. C'est-à-dire, parce que la région autour de Washington, je suis en train de découvrir le Maryland, la Virginie, etc. C'est truffé d'histoires incroyables. Blair Witch, tu connais Blair Witch? Bah oui, bah. Eh ben oui, mais je ne savais pas que c'était dans le Maryland. Tu vois. D'accord. J'ai découvert que c'était une forêt du Maryland à 50 km, 60 km de Washington. Alors, vous savez que les voyants et les médiums du Michigan sont contents parce qu'il y avait une petite ville. Il y a plein d'amendements qui interdisaient la voyance et la chiromancie dans dans les villes du Michigan. Et il y a une femme qui a une boutique ésotérique. Alors, bien sûr, ça se faisait, hein, parce que c'était une très, très vieille loi. Il y a une bonne femme qui a une boutique ésotérique qui dit « Je veux organiser des séances publiques, donc je veux faire abroger cette loi. » Et elle a réussi. Et donc, voilà, maintenant, dans le Michigan, dans certaines villes, on peut à nouveau faire des séances de chiromancie et de boule de cristal ou encore de médiumnité. On a... Johanna, qui est avec nous, qui a décidé de témoigner ce soir. Bonsoir, Johanna. Johanna, bonsoir. Johanna, une fois. Johanna, deux fois. Johanna. Oui, voilà. Vous savez, c'est la fin de la saison. Mathis, à la réalisation, il n'est plus des doigts. C'est des crochets. Il ne veut plus appuyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il est fatigué. Il n'en peut plus. Bon, dites-moi, Johanna, je suis ravi de vous accueillir. Vous avez, vécu, en tout cas, vu quelque chose d'assez singulier autour de votre enfant, en fait, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Il y a quelques années, donc, on avait fait une petite fête d'anniversaire. Ouais. Mon frère venait de mourir en janvier et mon fils avait 8 ans en avril. Et donc, mes enfants étaient en train de jouer avec un ballon qu'ils venaient de recevoir pour son anniversaire. Mmh. Et puis... sur le coup, la photo, moi, je n'y ai pas trop fait attention parce que je me suis dit, tiens, elle est floutée, elle est mal sortie. On va la voir. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'avec tout ce qui m'arrivait autour de moi, avec tout ce que j'ai vu, entendu et subi, ce n'est pas possible. Donc, cette photo, je l'ai ressortie et je voulais envoyer parce que pour moi, c'est quand même assez intéressant. J'ai fait voir cette photo au père de mes enfants il y a un certain temps de ça, il y a quelques années. Et il m'a dit, oh là là, laisse tomber, ça fait trop flipper. Alors, là, vous nous avez demandé de flouter, bien sûr, vos visages. Mais effectivement, moi, j'ai vu la photo sans floutage. Et à droite, donc, dans le lit, c'est votre enfant. Et on voit effectivement quelque chose comme, tu sais, à l'époque de l'IMI, quand il y avait comment on appelait ça, les trucs... ectoplasmes. Les ectoplasmes. Ah, comme si c'était un ectoplasme qui sortait de la bouche de l'enfant. D'accord. Donc c'est voilà. assez ce qu'on voit un peu au milieu là sous le ballon, on va voilà dire. C'est ça exactement, c'est le tu vois ce truc un peu fumé quoi, voilà. Mm-hmm. Voilà, il y en a trois qui sortent de la bouche du plus petit. Ouais. Donc il y en a un qui monte en l'air, l'autre qui est au milieu et l'autre qui va vers son frère qui est en train de lui jeter le ballon, et la pièce
elle est en fait comme s'il y avait, comme vous dites, un ectoplasme. Voilà. Alors c'est d'autant plus troublant que le reste de la pièce... Les ectoplasmes, c'était quand même plutôt matériel. Oui, mais bon, c'est ce côté... C'est là, il y a un côté un peu fumé. Un peu fumé. Mais moi, bon. Ce que je trouve fou, c'est que le reste n'est pas flouté, vous voyez, enfin, n'est pas brumeux. C'est-à-dire qu'il y a ces trois trucs, il y a quelque chose qui se passe là au niveau de la bouche de votre enfant. Et à ce moment-là, vous vous rappelez de... Parce que là, on voit un ballon qui passe, mais il n'y a pas eu, juste après, de la stupeur, de la torpeur, il ne s'est rien passé ? Non, pas du tout. Au contraire, c'était il y a 20 ans. Donc moi, j'ai vraiment cru que la photo était abîmée, quoi, que c'était une photo qui était ratée. Ouais. Mais comme je vous dis, depuis 20 ans, avec tout ce que m'est arrivé et tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, quand j'ai ressorti cette photo, que j'ai fait voir au père de mes enfants, il m'a dit, ça fait vraiment flipper. Il m'a dit... voilà, arrête-moi ça. Parce qu'au moment, où la photo a été prise, il n'y avait rien de particulier. Il n'y avait pas de... Non, il y avait juste mon frère qui venait de décéder 3 mois auparavant. Ouais, donc, okay. Il se peut qu'il y ait sa présence. Et la photo, vous l'avez vue rapidement. Puisque, alors, je ne sais pas si c'était un développement automatique, immédiat ou qu'est-ce que c'est, il y a 20 non, ans, ça, c'était, il fallait faire un tirage. C'était des pellicules de soit 12, soit 24 photos. Donc, ouais, on les faisait développer... Au bout d'un mois et demi. Voilà. Mais les autres photos sur la même pellicule n'ont rien. Ok. Et quand vous avez eu la photo du labo, sur cette photo-là, il y avait ce qu'on vient de voir. Voilà, tout à fait. Et sur les autres photos, il n'y avait absolument aucun... Et quelque chose a suivi cet événement quand il n'y a rien eu dans les jours qu'on suivit cet anniversaire, il ne s'est rien passé dans la maison, il n'y a pas eu des déplacements d'objets, il n'y a pas eu de quelque chose. Vous dites que votre frère était décédé 3 mois auparavant. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec tout cela, vous déjà? Ben écoutez, déjà, j'avais parlé une fois sur votre antenne d'une paralysie nocturne avec quelqu'un qui me caressait la joue pour me calmer parce que j'étais très paniquée. Ouais. Et j'ai vu un type qui mesurait pratiquement 2 mètres, mais donc je me suis dit c'est mon frère dans l'encadrement de la porte. Mais cette personne-là avait une tête ovale. Et puis après, plouf, plus rien. Vous avez aussi passé une photographie sur laquelle j'avais une grosse tache sur la tête. Ah oui, je me souviens, bien sûr. Eh bien, en fait, ça, c'est une photo, mais qui était tout à la fin, au bout de 1 mois, quand la peau partait. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu les autres photos, où il y avait l'énorme brûlure qui s'agrandissait de jour en jour. Et tous ces événements sont arrivés après le décès de votre frère, c'est ça? Non. Oula, j'ai tout au long de ma vie, à 10 ans, je me suis réveillée dans une pièce... tout éclairé, en pleine nuit, avec ma chemise de nuit très très bien pliée sur le côté du canapé. Et j'avais pas du tout peur parce que cette lumière, elle m'enchantait en fait. Je souriais, je me disais, tiens, c'est comme en hiver, alors qu'on était au mois d'août. Par contre, quand ça m'est arrivé, ça... quand il y avait des publicités à l'époque pour une marque de pchit qu'on mettait sur les meubles et une dame qui glissait, il y avait des bonhommes articulés en bois. Ouais, les petits bonhommes. Ouais, bien sûr. Et bien, quand je voyais ces petits bonhommes en bois, tout minuscule, là, tout articulé, je me cachais sous la table. J'avais une peur bleue de ces petits bonhommes. D'accord. Voilà, jusqu'à maintenant. Hein. D'accord, ok. Alors que j'ai plus de 50 ans. Bon, dans tous les cas, Johanna, c'est vrai que la photo est assez troublante. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faudrait, encore une fois, peut-être transmettre l'image à un professionnel de l'analyse photo pour comprendre. On n'en a pas les moyens ici, mais c'est vrai que c'est assez troublant de voir trois jets de fumée, en tout cas, on va appeler ça de la fumée, qui sortent de la bouche de votre... Comme ça. Après, il faut demander à un photographe, enfin ceux qui faisaient du tirage argentique, il peut avoir des erreurs ou des choses qui... Au développement, il peut avoir des effets un peu curieux comme ça. Oui, mais pourquoi sur cette photo? Alors que les autres photos, c'est peut-être que... pendant l'anniversaire, on en a fait d'autres, elles ne sont pas sorties avec ce genre de... Écoutez, encore une fois, on n'a pas l'explication, mais on vous remercie de nous avoir quand même fait part de ce témoignage, parce que
effectivement, c'est assez troublant. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer par la technique. Et malheureusement, on n'a pas les moyens ici, hein, techniquement, d'analyser tout cela. Parce que ça demande des moyens assez importants quand on veut analyser des images. Mais merci, en tout cas, Johanna, d'avoir été l'une des témoins de cette dernière libre antenne de la saison BTLV. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. C'est la dernière libre antenne, mais pas le dernier live. La semaine prochaine, je serai seul face à vous. Valentin sera en lien avec les réseaux sociaux et je répondrai à toutes vos questions sur BTLV, comme je le fais chaque fin de saison. C'est l'occasion pour vous de commencer à les poser, hein, vos questions, sur Twitter, notamment hashtag FAQBTLV, ou alors même dans le lien, même dans le chat ce soir, hein, ou sur redaction@btlv.fr. Vous pourrez même le faire en direct la semaine prochaine par téléphone au 01 86 22 21 20. Valentin. Alors, sur YouTube, on a Yann qui nous dit peut-être que les fumées, enfin les lorbes en tout cas qu'on voit se dégager de la bouche de ses enfants est due peut-être à la vieillesse de la photo, peut-être que c'est de l'usure. On a après un abonné qui nous dit sur Facebook... Sauf que la photo, quand elle a vu ça, la dame, Rachel, ouais. Elle l'a vu un mois et demi après. Après, pas tout de suite. Elle l'a maintenant découvert après 20 ans après. Voilà, c'est vrai que la photo est vieille maintenant, mais elle ne l'était pas à l'époque. Ça, on pourrait l'éliminer. Mais sur Facebook, on a un abonné qui nous dit peut-être que c'est un effet de superposition de photos sur la pellicule. On peut tout imaginer. C'est possible. C'est pour ça qu'on n'écarte aucune possibilité. Encore une fois, vous savez, tous les gens qui viennent témoigner ici, on ne leur donne jamais d'explication parce qu'on n'en a pas. Mais on peut avoir des pistes, effectivement, la superposition, au développement dans l'eau, peut-être qu'il y a eu quelque chose. En fait, ce qu'il faudrait voir, c'est épuiser toutes les pistes qui concernent des défauts techniques sur la photo. Et si, effectivement, des professionnels nous disent « non, ça, c'est pas possible », etc., c'est autre chose. Exactement. Une fois qu'on a tout éliminé de rationnel, on passe dans les rationnels et on se dit « là, on a un souci ». Voilà. Donc, autre chose ? Non, ça peut être tout de... Ça va. Est-ce que tu veux des petits gâteaux ? Non, merci. Ça va. Non, parce que tu me demandes. Non, ça va. Allez, dans un instant, c'est Jérémy qui va nous parler de lui et de ses amis qui ont fait deux observations d'OVNI. Mais avant cela, puisqu'on parle d'OVNI, on va revenir sur cette affaire de l'école Ariel. C'était dans les années 90. Randall Nickerson, le réalisateur d'Ariel Phenomenon, le film que vous trouvez actuellement au streaming... et en VOD, était sur BTV et sur BTLV. Don't know what these things think or believe or what their purpose is. That there is something out there that is far beyond us is very on an ego level, and John Mack spoke about this. Hundreds of people today phoned the ZBC saying they sighted an unidentifying flying object. It was a bright, radiant light. I've never seen anything like it in my life. It was the absence of noise I didn't like. People from all over Zimbabwe were phoning the BBC to say, we've seen something weird. A Harvard psychiatrist. Meet Dr. John Mack, a believer in aliens from outer space. We came away convinced that an extraordinary event occurred here. But it is whatever's happening is much more complicated. I mean, through my research with aerial phenomenon or at the aerial school, I got the chance to interview a lot of people and speak with a lot of people. Oh my gosh. I was right on the logs when it actually happened. Something that I'll never ever forget. I've drawn this again. That's how I usually kept her quiet. People think you're crazy. My husband doesn't even know about it. They've experienced and try to integrate it into their lives. OVNI, l'incident de l'école Ariel, c'était le 16 septembre 1994 que ces 62 enfants ont vu dans ce qui semble être la cour de l'école. Bon, c'était au Zimbabwe, donc il y avait des herbes, etc. Un objet se posait et en sortir deux êtres assez singuliers avec ses yeux en amande, puisque plus de 30 ans plus tard, Randall Nickerson, qui a rencontré les principaux témoins de ce jour-là, eh bien on réécrit et on refait bien sûr les dessins de ce qu'ils avaient vu à l'époque. Il s'est passé quelque chose, le grand John Mack s'y était intéressé, pas mal de journalistes de la BBC également, donc voilà, c'est un des cas les plus étonnants peut-être d'une rencontre de troisième type avec, parce qu'il y a 62 témoins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fou. C'est une très belle émission qui est à retrouver sur
btlv.fr si vous êtes abonné. Jérémy, 01 86 22 21 20, il va nous parler de ses deux amis qui ont fait des observations d'OVNI. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Ravi de vous accueillir Jérémy. En 2020 et 2017, des amis à vous ont fait des observations d'OVNI, c'est ça? Oui, exactement. Alors racontez-moi en fait, tout. Alors je vous explique. En fait, moi je suis un peu, je suis quelqu'un de passionné sur le sujet, donc j'aime bien me renseigner, avoir des témoignages. Ouais. Et donc du coup, j'ai ouvert le sujet en fait une fois avec un collègue. En fait, c'était il y a 2 ans, c'était dans l'Oise. Il était avec un ami à lui en sortant du parking du McDo en fait, et il me disait, en fait, il sortait du parking et il y avait des bâtiments en face de lui, en fait, et il voyait des coups de lampe torche, en fait. D'accord. Donc, à ce moment-là, ils se sont dit, c'est quoi, c'est, il y a quelqu'un ou quoi que ce soit. Et là, à ce moment-là, ils voyaient que la lampe en question, en fait, elle vient d'en haut. Et il m'a décrit ça, en fait, en tant que, comme en fait, un gros rectangle, parce que c'était la nuit, c'était vers 23h, il m'a dit, et... il voyait, en fait, il a comparé ça à des semi-remorques. Il m'a dit que ça faisait la taille de 2 semi-remorques. Ça faisait pas de bruit. Et il me dit que c'est passé devant eux. Enfin, c'est passé devant en face d'eux. Ensuite, ça a pris la route. C'était au ralenti. Et puis, c'est parti. Ensuite, ils ont essayé de le suivre. Mais, malheureusement, en fait, c'est que, vu que c'est des petites rues, il y avait des petits bruits en fait pour y accéder. Mmh. Ils l'ont perdu de vue. Donc Jérémy, c'était en pleine ville, donc il y avait du monde quoi. D'autres personnes C'était la nuit, ils étaient au McDo au drive en sortant en fait, en sortant du parking qu'ils ont vu ça. Mmh. Donc ouais, du monde, je pense pas qu'il y en avait beaucoup quoi. Enfin, je sais pas. Franchement, ça, je sais pas. Et puis ils l'ont perdu de vue. Mais en tout cas, ils sont sûrs et certains, ils sont vraiment sûrs et certains à 1000%. C'est pas et deux semi-remorques, ça fait un gros objet. Ça veut dire que cet engin, il n'allait pas vite de toute façon dans le ciel, c'est ça? Il mettait son phare pour regarder peut-être au sol, mais il n'allait pas vite en fait, c'est ça? Non, il n'allait pas vite, ouais. C'est hors gravité enfin, par rapport à ce qu'il m'a dit, c'est pas possible, un truc aussi gros qu'il ne fasse pas de bruit et qui se déplace. Donc, malheureusement, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont essayé de le suivre. Mais bon, malheureusement, comme je dis, après, il y a des bâtiments et puis le truc qui s'est barré. Et puis voilà, ils n'ont pas vu. Mmh. Et j'ai comparé ça, en fait, à un autre témoignage d'un autre collègue à moi que je lui avais parlé il y a pas mal de temps. Ouais. Et ça, c'était en 2017 et c'était dans un autre pays, en fait. Ouais. Et eux, en fait, ils étaient 4 ou 5 et ils étaient posés, en fait, dans un village. C'était en Turquie, c'était posé dans un village. Et la nuit, en fait, c'était la nuit aussi, et ils ont vu des... Pareil, hein, il m'a dit que c'était un genre de... Après, bon, ils ont eu tellement peur que... Ils n'ont pas bien vu la chose, mais en fait, ils ont vu un genre de gros rectangle aussi, en fait, venir en face d'eux. Et par contre, ça s'est déplacé très vite. Et il y avait de la lumière verte, ça dégageait de la lumière verte, et c'est venu au-dessus d'eux. Et c'est parti en fraction de seconde, en fait. Mmh. C'était en Turquie, ça, c'est ça? Ouais, et ça, c'était en Turquie, en fait. C'est le deuxième témoignage, en fait, d'un autre pote à moi. Et en fait, ouais, c'est... Enfin, j'ai comparé les deux, je pense... Voilà, quoi. Enfin, c'était les deux témoignages que j'avais. J'ai vu que ça se ressemblait au niveau de la forme. Mmh. Après, qu'est-ce que c'est? Ça, je sais pas. Mmh. Alors, on ne sait pas non plus. En tout cas, je vais demander à Mathis de récupérer le lien que je lui envoie par Slack, parce que je voudrais que tu remontres quand même l'OVNI de Kumburgaz, exactement, en Turquie. Parce qu'effectivement, à ce jour, c'est une vidéo qui a été reliftée, qui pour le coup a été retravaillée numériquement par des professionnels de l'image et qui montre quand même un engin de forme triangulaire, ou en tout cas, ce que l'on voit, on a la sensation que c'est un triangle ou alors les bords d'une soucoupe, et on voit à l'intérieur deux personnages qui ressemblent étrangement à ce que les gamins, qui sont adultes maintenant, de l'école Ariel, ont pu redessiner. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que la Turquie, et ça me plaît bien le témoignage de vos amis, parce que
on a toujours la sensation, on en parlait en début d'émission, que c'est toujours les États-Unis qui sont le terreau de l'OVNI et de l'extraterrestre présumé. Il y en a ailleurs. Mathis, tu as ce qu'il faut ? Regarde si on peut montrer la photo, effectivement, parce qu'il y a un petit patchwork, je ne sais pas si tu as vu sur la... Non, pas la vidéo. Alors, la vidéo, si on l'a, on peut la passer, hein, donc magnifique. Mais regardez ça, ça va s'afficher à l'antenne et on voit ce qui semble complètement fou. Quand même, ça, c'est une vidéo qui a été authentifiée, c'est-à-dire qu'il a été authentifié, qu'elle n'était pas truquée. C'est complètement dingue. Encore une fois, voilà, là, ça a été analysé, suranalysé. On a mis les meilleurs experts du monde sur cette vidéo. Et là, surtout quand on zoome, on voit ces deux êtres-là qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce qu'on appelle les grilles. Voilà, je ne sais pas encore ce que c'est. Je ne sais pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Mais moi, voilà, cette vidéo est vraie, en tout cas. En tout cas, elle n'a pas été truquée. Et c'est comme ça qu'on le... Regarde l'engin. L'engin qui est quand même filmé. Et c'était un gardien, un gardien d'une résidence qui venait d'acheter une caméra. Qui au bord du... Voilà. Alors, je ne sais plus où c'était, au Bosphore. Enfin, je ne sais pas si c'est le Bosphore ou la mer, je ne sais quoi. Qui a vu ça, effectivement. Voilà. Ouais. Et il a filmé ce truc-là. Et même plusieurs soirs de suite. Ouais, plusieurs soirs de suite. Exactement. Alors, Jérémy, vos amis, ils en sont ressortis comment ? Quand ils vous racontent ces histoires, ils sont interpellés par ce qu'ils ont vu ? Ça les a marqués ? Bah, en fait, comme j'ai dit, en fait, c'est. Moi, j'aurais très bien voulu leur demander de passer sur BTLV, mais franchement, c'est des gens qui sont loin de là. Ouais, qui sont pas à fond dans quoi que ce soit. Moi, c'est parce que j'ai ouvert les sujets. Mais. Bah en fait celui de Turquie, en fait mon pote, bah déjà ils étaient plusieurs, comme j'ai dit c'était 4 ou 5, je sais pas, en tout cas eux vraiment ils se sont, excusez-moi du temps, mais eux ils sont vraiment chiés dessus quoi, ils sont tous barrés dès qu'ils ont vu. Ah ouais parce qu'ils étaient pas en voiture, voilà, ils étaient à l'extérieur posés dehors, et celui mon pote qui a vu ça dans l'Oise, enfin celui qui a vu le triangle dans l'Oise, lui il était en voiture, donc lui il est bluffé. Mais après, on a nos théories aussi personnelles. Ben oui. Parce que j'ai comparé géographiquement, parce que celui de 2020, là, en fait, il y a une base aérienne dans l'Oise. Ouais. Il y a une base militaire à Verneuil. Donc, on fait un peu le lien entre les deux. Après, je ne sais pas si ça a un rapport, mais. Après, des engins qui font la taille de deux semi-remorques qui avancent doucement. Et qui volent sans bruit. Et qui volent sans bruit, au-dessus d'une ville, il n'y en a pas beaucoup. Non. Ou alors, je pense que dans les guets, on devrait en retrouver pas mal. Parce que c'est quand même. On a des avions furtifs, bien sûr, des avions, mais ça vole très très haut. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, parce que c'est furtif au radar. Mais en drones aussi. Voilà. On a vu, là, au défilé du 14 juillet, un drone français. C'est énorme. On a vu. Quand les drones, c'est très gros. C'est très gros, un drone. Ça donc, fait du bruit. Voilà, donc, Mais après, enfin, moi, personnellement, en fait, comme je dis, il y a 50 ans, on a été sur la Lune, on a pu filmer en direct ce qui se passait là-bas. Pourtant, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Personne ne s'aurait dit qu'aujourd'hui, en 2022, on aurait tous un téléphone, qu'on pouvait parler à l'autre bout du monde. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui nous sera banal dans 30 ans. Peut-être bien c'est sûr. Un truc. Enfin, c'est ce que je me dis, je ne sais pas. Oui, bien sûr, mais on peut imaginer effectivement que ça peut être un prototype, que quelque chose. Pas encore. Voilà, donc effectivement. Alors, des prototypes en France de ce type-là. J'aimerais bien que l'armée française qui développe ce type d'engin, parce que ça voudrait dire qu'on se maintient quand même à la pointe de l'actualité. Et d'ailleurs, on est plutôt pas mal quand on sait qu'on a le Rafale, qui est l'un des plus beaux avions du monde, l'un des plus chers aussi, c'est pour ça qu'on ne le vend pas beaucoup, mais dans tous les cas, technologiquement, il est assez incroyable. Donc là, ce qui me paraît fou, c'est la taille, quoi. La taille, l'absence de bruit, en termes de gravité, quelque chose qui Parce que plus un objet est gros et plus il flotte dans l'air, plus il déplace de l'air. Mais bien sûr. Et donc ça doit forcément faire des effets. Pas forcément sonores, mais tu vois, en termes de déplacement d'air. Moi, il n'y a que Supercopter qui, à l'époque, arrivait à enlever le bruit de son déplacement. Voilà. Mais bon, c'était une série. En tout cas, merci Jérémy d'avoir été avec nous, d'avoir livré les observations de vos amis en 2020 et 2017. D'ailleurs, c'est bien ce qu'a fait Jérémy. Si vous aussi, vous avez des amis qui n'osent pas parler, vous pouvez le faire à leur place, nous raconter leur histoire. 01 86 22 21 20. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la Libre Antenne BTLV. Valentin. Et oui, et sur les réseaux sociaux, on a Edos sur YouTube qui nous dit « Ma première observation d'OVNI est dans l'Oise de style tic-tac avec une dizaine de hublots de lumière jaune à l'intérieur, aucune dehors et aucun bruit. »
Et puis on a sur Facebook un abonné qui nous dit « J'ai vu un ovni triangulaire sur le devant et en long cylindre de dos en deux parties d'une dizaine de mètres. » C'est-à-dire qu'il était triangulaire et cylindrique. Très, ouais, c'est ça. Avec l'angle sur lequel je comprends bien, si j'ai compris. Et venez nous en parler de vos observations. Je vous assure, c'est bien d'en parler sur les réseaux sociaux, mais on a besoin de vous, et notamment à la rentrée, quand on va revenir, on aura besoin, bien sûr, d'avoir vos témoignages, comme celui de Corinne, qui est avec nous au standard. Bonsoir, Corinne. Bonsoir, Bob. Comment allez-vous, Corinne ? Très bien, je vous remercie vous-même. Bon, écoutez, moi je suis en pleine forme, c'est la fin de la saison, dans quelques jours je serai en vacances, j'oublierai les ovnis, les fantômes, les médiums, je ferai comme tout le monde, j'irai, voilà, penser à autre chose, voilà. Mais en attendant, je suis avec vous, je suis ravi parce que vous avez vu quelque chose d'assez particulier entre votre chat et une orbe, c'est ça ? Voilà, donc si vous voulez, à l'époque, je vivais à Maisons-Laffitte, dans une maison que l'on louait. Mmh. Et à un moment donné, j'étais assise dans le salon. Mmh. Et en fait, j'avais un salon et salle à manger contigu, ouvert, l'un sur l'autre. Ouais. Et entre le salon et la salle à manger, j'ai vu une dame passer en grand deuil, style les années 1900. D'accord. Voilà. Donc avec le chapeau, le voile, la robe, et traverser la pièce d'ouest en est. Ouais. Voilà, devant moi, à 2 mètres. Mmh. Voilà. Et c'était assez impressionnant. Et quand vous voyez cette, ouais, j'imagine bien, quand vous voyez cette dame donc qui était en deuil, qui portait le deuil avec cette, comme à l'époque tout en noir, etc. Est-ce que vous avez la sensation que cette personne, elle est là, qu'elle est physiquement là ? Personnellement, si vous voulez, je m'en fous parce que je suis en relation. Comment dire, spirituellement, avec les esprits. D'accord. Donc, qu'elle soit là ou pas là, je m'en fous. Oui, mais, non, mais c'est pas. C'est, on voit bien que Corinne, vous acceptez assez facilement cette faculté. Mais ce que moi, je voulais dire, c'est que, est-ce qu'elle était physiquement là ? Est-ce qu'elle s'était matérialisée ou est-ce que c'était spectral ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'était une image. Ah non, non, c'est pas spectral. Ah non, non, non. Je l'ai vu comme. Comme vous voyez quelqu'un traverser la route. Quoi. D'accord. Donc physiquement, il y avait de la densité. L'image était nette. Oui. D'accord. Oui. Et donc il y avait des couleurs. Enfin, même si elle était peut-être habillée en noir. Non, en noir. Était en noir. En noir. D'accord. D'accord. Ouais, et vous avez vu son visage ? Non. D'accord. Non, non, parce qu'il y avait la voilette. D'accord. Et est-ce que vous avez la sensation que c'était, parce que ça pourrait être la mort aussi, vous savez, quand la personne est tout en noir comme ça. Non, non, c'était pas la mort. Non, non. C'était un esprit qui habitait la maison. D'accord. Okay. Est-ce que vous avez vu le bas de son corps ? Les pieds, non, etc. La robe, style des années 1900. D'accord. Ah oui, donc qui tombe très bas. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Et alors, cette observation, c'était la première fois que cette femme venait ? Elle est revenue ? Comment ça s'est passé ? Non, elle n'est pas revenue. Non, je l'ai vue passer. Une seule fois. Voilà. Voilà. Oui. Et alors, vous dites visiblement que vous avez un lien direct avec ces esprits. Est-ce que vous avez tenté de lui parler Non, pas du tout. D'accord. Non, parce que j'ai été étonnée. On est interloqués, quoi. Mmh. On dit, tiens, qu'est-ce qui se passe Moi, je réagis comme ça, en disant, tiens, qu'est-ce qui se passe Ah ben, bonjour, bon, au revoir. Voilà, c'est passé. Mais ça dure le temps de traverser une pièce à l'autre, quoi. C'est pas long. Alors, vous disiez à Valentin que votre chat a eu une relation avec une orbe, c'est ça ? Oui, alors là, c'était très curieux parce que j'étais dans le même fauteuil, à la même place où j'avais vu cette femme passer. Cette entité, voilà. Et j'avais une chatte qui était sur mes genoux. Ouais. Et je me faisais beaucoup, beaucoup de soucis parce qu'à l'époque, j'étais... en instance de divorce, au chômage, virée par ma propriétaire parce qu'elle vendait la maison.
Donc, ah oui. Je n'avais pas... Ça fait beaucoup quand même. C'est... Là, là, vous cumulez ah oui, un oui, peu, non, c'est ça. C'est ouais. la totale. Ouais. Et donc, je n'avais pas la possibilité de racheter cette maison. Ouais. J'avais une jeune fille qui était en train de passer son bac. Donc, ouais. Je me posais énormément de soucis. Mmh. Et j'ai entendu... Enfin, on peut me prendre pour une dingue, mais j'ai entendu nettement la chatte qui était sur mes genoux, ouais. me dire « Pourquoi t'inquiètes-tu ? Tu sais très bien que tout va s'arranger, n'est-ce pas ?» D'accord. Et c'était bizarre, quoi. J'ai regardé le bestiau et bon, elle m'a fait ses yeux doux comme un chat peut faire, quoi. Voilà. Donc là, il y a eu de la ce qu'on appelle de la communication animale, c'est-à-dire que l'animal, vous l'avez entendu, bah, en oui, fait, c'est ça. Direct. Ah oui, direct. Ouais. Et une chatte aussi, je parlais, mais pour m'amuser, quoi. Elle était très bavarde, elle me racontait sa vie, j'ai interrogé, elle répondait, enfin, bon, c'était rigolo, quoi. Donc là, elle ne parlait pas, elle n'a pas miaulé, rien du tout. Mais ça a été une transmission de pensée d'elle à moi. D'accord. Et elle m'a dit, pourquoi t'inquiètes-tu ? Tu sais très bien que tout va s'arranger. Et ça s'est arrangé ? Oui. Vous savez, on ne reste jamais au fond de la piscine. Non, ça c'est sûr. Mais il faut toucher le fond pour remonter. Hein? Effectivement, voilà. Il faut toujours toucher on le fond pour remonter. Donc je suis remontée. D'accord, eh ben, c'est tant mieux. Et alors, l'orbe dans le salon qui a cette communication, parce que là, votre chatte vous dit, voilà, ça va aller bien, ne t'inquiète pas. Mais elle oui. a eu une relation avec une orbe, c'est ça ? Des orbes, j'en ai tout le temps. Là, dans l'habitation où je suis à l'heure actuelle... Ouais. Parfois, j'ai la télé qui s'allume en pleine nuit. D'accord. Donc, j'ai des amis qui m'ont dit, oh, ça, c'est une voiture, quand quelqu'un déclenche l'alarme et tout ça, ça déclenche ton poste de télévision. J'ai dit, mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça m'arrive très souvent. D'accord. Okay. Et votre chat, lui, il ressent ça aussi ? Oui. D'accord. Ok. Oui. Bon. Bah, écoutez, ouais. visiblement, vous vivez très très bien ces contacts particuliers avec l'invisible. Bah oui, ils sont pas agressifs. Tant qu'ils sont pas agressifs. Bah oui. Bah oui. Et ça vous est jamais arrivé justement d'avoir une relation agressive avec une entité ? Oh ben Dieu merci, non. D'accord. Bah, tant mieux. Bah, écoutez, merci Corinne d'avoir pris le soin de témoigner ce soir. Vous êtes la dernière de cette libre antenne de cette fin de saison. Merci mille fois. On vous embrasse et embrassez votre petite chatte pour moi. Et puis, si elle est encore vivante. Hein. Et surtout, prenez bien soin de vos entités. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Valentin. Oui, eh bien, on a Alain qui, lui, nous dit « J'ai une photo. J'ai fait du déminage à Verdun, rempli d'orbes blanches avec un point noir au milieu. » D'accord. Et puis, c'est à peu près tout de ce que j'ai relevé, en tout cas, sur le chat. D'accord. Profitez-en peut-être pour commencer à poser les questions. Voilà, j'ai relevé quelques questions qui ont été posées, qu'on te posera du coup la semaine prochaine, mercredi soir. Parce que je serai ce qu'on appelle en open line. Et oui. C'est-à-dire qu'en fait, je serai antenne ouverte, vous pourrez faire ce que vous voulez, poser les questions que vous souhaitez sur tous les sujets qui vous trottent dans la tête, sur toutes les interrogations que vous avez sur BTLV, sur peut-être même les commentaires à faire hein, de ce que vous avez pu voir cette année. Donc, il y aura le standard qui vous sera ouvert, les réseaux sociaux et puis le Twitter. On a lancé un hashtag FAQ BTLV. Merci Jocelyn d'avoir été avec nous. Un bel été à tout le monde. Dernière libre antenne de la saison. Merci Valentin. Merci à toi. Tu seras à mes côtés mercredi prochain. Merci à Mathis d'avoir réalisé cette émission. Vous allez pouvoir continuer à regarder cette émission, celle-ci, là, puisque le replay est en accès libre. Et puis, plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Il fait moins chaud. On respire un peu plus. C'est tant mieux. Salut. Témoignage. Réaction. Commentaires. C'est la libre antenne BTLV.